Aman Benson. Le journal des stratèges. On parle des navires de Farwind. Ce sont des voiliers hydroliens qui produisent de l'énergie autonome. Alors, notamment, là, ils ont fait des tests et des essais avec un catamaran de 5 mètres sur le lac de Viro dans le 44, en juin dernier. Alors, les bateaux Farwind, il faut les voir comme des navires-usines autonomes sans équipage qui embarquent des batteries de stockage ou des électrolyseurs. Alors, à l'échelle 1, c'était pas l'échelle 1 qui a été utilisée dans les tests du mois de juin, le navire délivrerait une puissance de 2,5 mégawatts, soit 10 gigawatts par an. En hydrogène, cela donnerait une production de 800 kg par jour. Telle production dépasserait celle d'une éolienne de 5 mégawatts à terre du fait de la constance et de la qualité des vents du large, donnant un facteur de charge de 80%. Il faudrait cependant 70 bateaux pour alimenter en électricité une île comme la Guadeloupe. La société compte finaliser les études fin 2022 et le lancement, selon l'aboutissement des contacts commerciaux en cours, d'une plateforme à échelle 1 courant 2024. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, mais pourquoi pas aussi à notre newsletter La Lettre des Stratèges, qui est gratuite, vous en trouverez dans les infos de l'émission, mais aussi sur notre site internet Aman & Benson Stratégie, rubrique Média, La Lettre des Stratèges.